Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Romo et pour certains de mes bien-aimés, je suis aussi Maman Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je pense, bien aimé, que nous vivons ce temps-là où les hommes se sont détournés de la saine doctrine. Et où ils ne veulent entendre que des choses qui sont agréables à leur propre cœur. Bien-aimés, ça va être un peu caricatural l'exemple que je vais vous donner, mais c'est un exemple bien réel. Un jour, quelque part, j'ai suivi une conversation entre deux chrétiens à la fin d'un culte. Ils se saluaient très chaleureusement. Et l'un a dit à l'autre, « Oh mon frère bien-aimé, prophète, prophétise-moi quelque chose. » Est-ce que vous entendez ça, bien-aimé? Prophétise-moi quelque chose. J'ai besoin d'entendre quelque chose d'agréable. Et puisque toi, tu t'es donné le titre de prophète, puisque je sais que tu as souvent la possibilité d'annoncer des choses agréables, aujourd'hui, annonce ce qui convient à mon cœur. Et là, je serai réjoui. Oh, mes bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, que c'est malheureux! Beaucoup aujourd'hui sont devenus des victimes dans les communautés. Ils sont piégés par leur propre égarement. Lorsque nous voyons des personnes qui s'en vont marcher avec des serviteurs de Dieu qui les conduisent dans la boue, des personnes qui n'arrivent pas à dénoncer des actes odieux que des serviteurs de Dieu les amènent à faire, tout simplement parce que ces serviteurs-là leur promettent des choses agréables par derrière. Alors ils sont prêts à les suivre dans tous les trous possibles, parce qu'ils veulent entendre la parole qui sied à leur cœur. Mais qui nous a dit que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour écouter les paroles qui viennent de nos cœurs, ou nous venons pour écouter la parole qui vient du cœur de Dieu? Jésus-Christ nous a dit par ailleurs, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui acceptent que Jésus est le chemin et qui sont parachutés directement sur la vie en supprimant la vérité qui se trouve entre les trois mots. Nous ne voulons plus entendre de paroles vraies. Nous ne voulons plus entendre de saines doctrines. Dans les églises, quand tu veux prêcher, on te dit « doucement ». Ne parle pas du péché, n'appuie pas trop sur l'adultère, n'appuie pas trop sur la sorcellerie. Et j'ai entendu certains chrétiens dire, on prêche trop sur le péché dans cette communauté, moi je ne vais plus y aller. Je vais chercher la communauté où on va me prêcher le miracle. Je vais chercher la communauté où on va me faire la délivrance avec cure d'âme sans me demander de m'abstenir, de retourner dans mes péchés. Nous fuyons la vérité. Nous voulons que Jésus-Christ soit notre chemin. Nous allons à l'église tous les dimanches, nous écoutons de belles prédications. Oui, Jésus, tu es le chemin, mais ne sois pas la vérité. Ne voulons pas la vérité qui se trouve en lui. Mais nous voulons la vie. Il est impossible d'arriver à la vie sans passer par la vérité. Bien-aimés, voilà l'interpellation de la parole aujourd'hui. Elle décrit ce que nous vivons tous les jours, ce que nous sommes devenus, des hommes déloyaux qui refusent d'être de véritables, des serviteurs authentiques de Dieu, des hommes qui aiment le mensonge, des hommes qui veulent la vie sans passer par la vérité, et des hommes qui sont prêts à corrompre les serviteurs de Dieu pourvu qu'ils obtiennent les désirs de leur cœur. Dieu n'est pas là pour nous chatouiller et pour nous donner ce que nos cœurs mauvais désirent. Dieu est là pour transformer nos cœurs. Et si tu veux que ton cœur soit transformé, bien-aimé, je vais t'inviter à dire avec moi ce mot de prière pour autoriser Jésus à faire entrer sa vérité, cette vérité qui va te rendre libre,
cette vérité qui va t'affranchir du pouvoir du péché. Car il est écrit dans la parole que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous allons dire ensemble ce mot de prière bien-aimé. Seigneur Jésus, je veux connaître ta vérité. Je suis fatigué de courir après les mensonges qui m'ont donné l'impression de trouver une certaine satisfaction, mais qui m'ont égaré loin de toi. Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter que ta vérité me transforme. Même si elle me cause quelques douleurs, j'accepte cette douleur-là pour pouvoir te connaître. Seigneur, je veux que ton esprit me remplisse, que ton esprit me parle, que ton esprit me montre, que ton esprit me transforme. Merci Seigneur de m'exaucer. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.